Salut à tous les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est le matin. Je vous parle depuis Paris parce que je suis rentré récemment. Je ne sais pas si on voit bien, mais l'appartement n'est pas si bien rangé que ça. Aujourd'hui, c'est le jour du grand ménage. Je me suis réveillé un peu tôt aujourd'hui pour reprendre les bonnes habitudes. Et justement, je voulais vous parler des habitudes. Je viens de le décider tout de suite. Je ne vais pas vous mentir, j'avais pas de plan. Les enfants, je vais vous dire quelque chose de très simple. Les enfants ou tous ceux qui me suivent. Nous, les êtres humains, on est une espèce qui n'aime pas l'instabilité. Mais on doit apprendre à deal avec l'instabilité parce que la vie humaine n'est faite que d'instabilité. On ne sait pas si demain tu vas aller en cours de maths. Tu ne sais pas si le prof, il va être énervé, il va mettre un devoir à tout le monde. Voilà, ça va te plomber ta journée. Tu vas rentrer chez toi, tu sais pas ce qui peut se passer. Et bon, ça peut avoir l'air triste de dire ça, tu vois. Mais demain, tu peux mourir. Aujourd'hui, là, maintenant, dans la seconde, tu peux mourir. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est pas triste? Parce qu'à partir du moment où on peut mourir dans la seconde, qu'est-ce qu'on fait de cette seconde? Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la routine, entre guillemets, la routine. Je pense que c'est très important d'avoir des habitudes de vie qui sont en lien avec vos valeurs et votre vision. Deux choses différentes, valeurs et vision. Les valeurs, selon moi, c'est l'éthique, la morale en laquelle vous croyez, en laquelle vous voulez, à laquelle vous donnez de l'importance. Donc à partir du moment où vous avez des valeurs, c'est un socle qui vous dit, ok, ma valeur par exemple, c'est la générosité. Si un jour je vois quelqu'un qui est dans le besoin, j'hésiterai pas à l'aider parce que ma valeur c'est la générosité. Partons de l'exemple de la générosité. Après, on a la vision. La vision c'est quoi? C'est que si ma valeur, une de mes valeurs c'est la générosité, ma vision par rapport à ça, ce sera que le monde est meilleur quand les gens sont généreux entre eux. Donc, dans cette vision-là, avec tout ce que ça englobe, comment est-ce que je peux appliquer cette vision de générosité un maximum? Ça ne va pas être que aider quelqu'un. Tu vois? La générosité, des fois, ça peut aussi être donner du temps à quelqu'un quand tu parles avec lui. Être présent dans le moment quand tu parles avec quelqu'un. Ça aussi, c'est généreux. Des fois, c'est très généreux de ne pas être généreux. Vous voyez? Cette phrase de Confucius qui vous disait, apprenez à un homme... Non, donner à un homme un poisson, il mangera pour un jour. Apprenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Des fois, c'est beaucoup plus généreux d'apprendre à pêcher. C'est plein de subtilités, d'accord? Mais à partir du moment où votre routine respecte vos valeurs et votre vision, je pense que la vie, normalement, selon ma petite expérience, hein, je vous le redis, j'ai que 21 ans, bientôt 22, je pense que la vie est beaucoup plus heureuse. Et beaucoup plus en accord avec vous-même. Et à partir de là, je pense que c'est une très bonne décision pour la rentrée de réfléchir à, pourquoi pas, une nouvelle manière d'appréhender les choses et une nouvelle, de nouvelles routines. Des routines. Et ce qui est magnifique avec les routines, c'est qu'à un moment, il faudra les briser pour faire d'autres routines. Parce que quand vous vous sentirez trop encastré par elles, c'est là qu'il faut leur dire bye-bye. Parce que sinon, vous n'êtes plus libre. C'est vos valeurs et votre vision à laquelle vous devez vous soumettre. Mais la routine, elle est changeante. Tu peux toute ta vie passer par un chemin, un autre jour, tu passes par un autre chemin. Tu peux toujours faire ça, un autre jour, tu fais un peu ça différemment. Je sais que c'est un peu flou ce que je vous dis. Mais là, je parle surtout aux plus jeunes qui regarderont cette vidéo, j'espère. J'aimerais, si vous le pouvez, que vous preniez un petit carnet ou bien un téléphone ou bien quoi que ce soit pour noter. Je vous conseillerais de l'écrire à la main. C'est beaucoup plus... Je trouve qu'on comprend beaucoup plus les choses quand on écrit à la main. J'aimerais que vous me listiez trois de vos valeurs. Donc, c'est des valeurs peut-être qui viennent de vous, qui viennent de vos parents, qui viennent d'un film que vous avez vu, qui viennent d'un manga, qui viennent n'importe quoi, que ça vienne de n'importe quoi, mais en tout cas, trois valeurs qui, selon vous, représentent des valeurs
auquel vous voulez croire. Et ensuite, j'aimerais que vous me donniez un exemple pour chacune de ces valeurs que vous pouvez appliquer. Comment vous pouvez appliquer ces valeurs? Vous avez compris ce que je veux dire? En mode, j'ai posé ma valeur, c'est une de mes valeurs, c'est de croire en Dieu. Une des applications, c'est de prier, ou bien d'aimer mon prochain, ou bien il y a beaucoup de choses. Essayez de faire ça. Donc, trois valeurs différentes, une façon de mettre en place ces valeurs. À partir de là, les gars, je pense que tout pourra très très bien se passer. Tout pourra très bien se passer. Encore une fois, j'ai pas pu faire de vidéo pour la rentrée. Je souhaite une très bonne rentrée à tout le monde. La rentrée, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que le nouvel an, parce que la rentrée, c'est une manière de recommencer en automne, alors qu'on a eu l'été avant, d'arriver, les nouvelles classes, les nouveaux trucs. Pour les plus grands, le retour au travail après les vacances, c'est un peu plus déprimant, peut-être, je sais pas. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est très très bonne rentrée. Et vous savez que les plot twists de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est les plot twists. Donc, est-ce que vous voulez être prêt pour ces plot twists? Moi, j'ai envie d'être prêt pour ces plot twists. Est-ce que vous voulez être prêt pour ces plot twists? Ça, c'est la vraie question. Très bonne rentrée. À plus, les gars. Ciao.